bien c'est tout le monde, c'est Chopper 3131. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, spécialement, parallèlement à notre chaîne, ouais, enfin notre série survie, nous allons commencer un petit mode hardcore pour essayer de faire mieux que nos chers collègues Anonymous et TeloKM01. On dirait que je parle comme si j'étais dans un bureau et tout. Mais voilà, donc on va essayer de faire notre mieux et survivre plutôt longtemps. J'espère que je vais pas mourir déjà au bout d'un épisode. Sinon je vais me faire vanner par tout le monde. Donc hop, déjà on peut récupérer du bois. Je pense que ça pourrait être une bonne chose. Allez, j'ai déjà trouvé du fer en fait. Super. Par contre j'ai un masse de charbon. Ça c'est plutôt bien pour commencer l'aventure. Hop là. Putain, il y a du fer en plus. Vraiment du fer quoi. En général, il y en a un ou trois, un ou deux, voilà. J'ai pas encore creusé jusqu'au bout, mais ça se trouve, il y en a juste trois. Donc hop, j'ai détruit une petite crevasse comme ça, sympathique. On va vite se faire une pioche en pierre. Comme ça, on pourra récolter le fer. Ça pourrait presque faire une chanson, en fait. Bah voilà, il y en a que trois. Bon. C'est pas trop mal quand même, parce que... On a trouvé quand même pas mal de minerais. C'est plutôt bien pour un bon début. Oh les gens, j'ai de la chance. Ça c'est bien pour les teintures. Oh non, il y a un village de PNJ. Oh putain, j'ai trop de cul. Un hardcore hein, pourtant. On est bien hardcore. C'est génial. Bon. Vite, on récolte ça là. Rapido. Je serai dex si je meurs là quand même. Que franchement j'ai une excellente partie. Je pense qu'on va se mettre pas loin du village parce que je pensais me mettre par un petit peu ici, genre voilà, peut-être là. Je pourrais me mettre là peut-être quand même, je pense. Ouais, je sais pas. Ouais, ça pourrait être pas mal. Franchement, si j'arrive à battre le Wither en mort hardcore, ce serait mais excellent, parce que moi je suis une grosse brêle en survie et tout. C'est pour ça que j'en fais, tu vois, pour mettre un petit peu de défi, tu vois. Mais voilà. Oula, non. On va se mettre là-bas. On s'installera ici. On va aller voir ce qu'il y a dans le truc. Ouais, je l'ai tué avec ma pioche parce que là, je n'ai pas encore fait des coups. Bon, je suis un peu dégueu du résultat parce qu'en fait, il y a juste deux maisons et c'est pas, il n'y a pas la forge. Non, c'est un peu la merde. J'ai récupéré un petit peu la pierre là parce que j'ai pas forcément envie de me mettre en profondeur pour récupérer de la pierre. J'ai accès directement à la pierre ici. J'aimerais bien voir ce qu'ils ont quand même à échanger les villageois, on sait jamais. On peut voir un truc intéressant. Ouais, attends. Y'a pas un truc à échanger contre un mural là. Toi, t'as plein de trucs là. Ouais, contre une pelle en fer, hein. Merci. Bon, ben on va s'installer là-bas, hein, je pense. Vous pouvez voir que ça commence déjà bien pour moi et pour nos chers villageois. Alors je vais peut-être aller les protéger quand même. Donc rapidement, hop, on va se faire une épée en pierre. On va les protéger du villageois. Alors, ce qui m'énerve. Je suis vraiment un fou parce que je crève la dalle. Bon d'abord je vais manger puis après je vais les secourir. Je suis déjà dans la mouise, dans la merde. Et hop. Ouais. On fera la déco plus tard. Hein. Donc là, le fer, on va se faire un petit coffre. Parce que là, on met quand même nos ressources précieuses. Donc, tac, tac, tac. Émeraude. Et je pense que c'est bon. On va déjà mettre la porte ici, comme ça au moins. On sera... Ah, ils vont crever là-bas. Voilà, tant pis. Je peux me faire une épée directe quand même. Je vais me nourrir. Tiens, je vais aller buter un peu du cochon. Hop. Ils sont vraiment dans la merde là-bas. Ouais. Franchement, en mode hardcore, faut vraiment que je trouve des. Tiens d'ailleurs, je vais me faire une hache. Vraiment que je trouve
Voilà, hop. Faut que je trouve des pommes, qu'on fasse des pommes d'or après. J'espère qu'ils sont pas en train de crever là-bas. On y va, hop. On y va, expédition. Très loin, c'est vrai. Hein. Attention. Ok, donc protégez-vous, vous. C'est plutôt bien. Parce que. Ah oui, là-bas, ils se sont bien protégés quand même. Du Kaido, quand même. Voilà, tant pis. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Ah, il y a un zombie qui arrive, je l'ai vu tout à l'heure en plus. Bon, pas qu'il meurt parce que. Il y a deux Endermen là-bas. Franchement, j'ai peur parce que. De ce monde hardcore, parce que vu le nombre de monstres qu'il doit y avoir. Là, il y a des moutons. Il y a des moutons et il y a un truc qui défend. Putain. Parce que là, je peux pas aller comme ça direct. J'aimerais qu'il ait disparu, je pense. Là, on essaie de s'attaquer un peu à notre maison. Parce que. C'est pas tout, mais il faut peut-être construire un peu quand même. Voilà. On va laisser peut-être une fenêtre ici pour voir s'il y a des mecs qui arrivent. Ouais, remarque, non. Chaio, aussi un petit peu. Économiser un peu aussi du bois. On va faire une petite maison. Oh putain, non. Sérieux? Voilà, je me fais attaquer en plein direct là. Hein. Oh, il tire à l'envers. Putain, j'ai pris tellement cher au niveau des cœurs là. Je vais récupérer. Merde, en plus ça fait super joli quoi. Super. Voilà. Putain, ça en spawn de partout là. On va bien se barricader parce que là. On s'est fait attaquer violemment quoi. On se fait baiser. Ouais. Je vais faire peut-être une plus grande truc, voilà, comme ça. Et là, Pourtant, je me suis installé dans une plaine, donc il doit y avoir des monstres quand même autour. On va s'y attendre. Hein. Attention, on creuse tout en bas, ça va tomber évidemment. Même pas. Mais. Non, c'est juste la flèche qui tombe. Ouais. Ok. Déjà, je me suis fait shoter. Quoi. Alors, tant pis. Voilà. Putain, c'était chaud. Hein. Voilà, c'est déjà la fin de ce premier épisode hardcore. J'espère que la vidéo vous aura plu. En tout cas, j'espère que je vais pas me faire attaquer par les araignées. Voilà. j'ai la paranoïa du hardcore. Donc, on espère que la prochaine fois, bon, ils seront pas morts, là, les villageois. Que cette araignée dégagera. Aussi que le squelette là-bas sera parti, parce que franchement, voilà, j'aimerais juste que... Surprise, motherfucker. What? Bah, j'étais sûr qu'elle allait arriver, tu vois. Bon. Ouais. Et qu'on aura gagné un peu plus de cœur aussi. Oh, bah, ça va, en fait, je regagne. Ah non, c'est un ultra hardcore qu'il faut. Bon, bref, il faudra des pommes d'or aussi. Qu'on aura du mouton là-bas parce que j'ai vu qu'il y avait un mouton, donc j'aimerais bien récupérer de la laine pour faire un lit. Donc voilà, on fera tout ça la prochaine fois, j'espère. En tout cas, d'ici là, portez-vous bien. Salut tout le monde!